Tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et c'est un livre vraiment super que j'apprécie beaucoup. C'est Venise n'est pas en Italie de Ivan Calberac que j'apprécie vraiment car c'est l'histoire d'un garçon, Émile, qui tombe amoureux d'une fille, Pauline. Émile est un lycéen. Et vous allez voir qu'il a une vie plutôt bohème. Il vit dans une caravane avec ses parents. Quant à Pauline, ben elle, elle fait partie d'une famille de bourgeois. Donc vous allez voir que ben, malgré leurs différences de rang social, vous allez voir que cela ne va pas les empêcher d'être amis. J'aime beaucoup ce livre car il est drôle, il y a beaucoup de rebondissements dedans. Et il est en rapport avec la lecture citoyenne, car il y a l'amour, l'amitié, et il met surtout en valeur le vivre ensemble. C'est ce livre à tous ceux qui aiment lire les aventures comiques, et aussi qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Et je conseille aussi ce livre à ceux qui n'aiment pas lire, car quand vous allez commencer à le lire, vous allez voir que vous vous accrochez directement à l'histoire. Et aussi, même si ce livre est épais, vous allez voir qu'il est super, super intéressant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et bonne lecture et j'espère que vous allez apprécier ce livre. Bisous!